Coucou les filles, j'espère que ça va, que vous avez bien dormi. Moi ça va beaucoup mieux, plus de migraine, franchement je me suis bien reposée. Je me suis réveillée à 2h les filles, vers 2h. On a fait le déj et tout. Là on va ranger tout le salon parce que demain Inch'Allah on reçoit canapé, on reçoit tout mobilier. On va tout laver. Et voilà. Bon les filles, il y a un membre de ma famille qui m'a envoyé ce message là avec des bonhommes qui rigolent pour me dire putain mais si les gens ils savaient. En fait, en fait dans ma tête je devrais vous laisser croire, c'est bien, je suis contente que vous croyez ça, au moins bah vous me portez pas l'œil. Mais en fait ça prouve à quel point les réseaux sociaux, c'est en fait aujourd'hui il faut tout montrer, il faut tout vous dire, il faut vous montrer tous nos investissements et tout. Arrêtez de croire qu'on montre tout. Moi je suis là, je travaille sur les réseaux sociaux, je ne raconte pas ma life. Et celui qui a compris ça, il aura tout compris. À quoi bon de prouver? Vous voulez que je vous montre à chaque fois que j'achète un truc? À chaque fois que je fais un investissement, vous voulez que je vous montre? Non, moi je sais que j'ai des sorcières qui me suivent. Allah il nous a dit de nous protéger de tout ça. Mais demain je montre tout, mais c'est fini déjà là. J'ai des haineux sur mes côtes alors que je montre rien. Imagine les filles, je montrerai. Continuez à croire que je dors. Continuez à croire qu'il n'y a rien dans ma tête. Continuez seulement. Moi, je veux que vous sachiez que je suis une clocharde, que j'ai pas de voiture, qu'à Dubaï, je roule en location, que je suis en location d'appartement. Je suis une clocharde, j'ai pas d'argent. J'ai rien fait dans ma vie. En 10 ans sur les réseaux sociaux, j'ai rien fait, les filles. Mettez-vous bien ça dans la tête. J'ai rien fait, je suis une clocharde. J'ai pas d'argent, j'ai pas voiture, je roule en T-Roc à Dubaï, j'ai rien, j'ai pas de sac, j'ai pas de montre, j'ai rien du tout les filles, gardez ça en tête. J'ai pas de sac, les seuls sacs que j'ai c'est des cadeaux des marques et je me porte trop bien comme ça, j'ai rien. Voilà, mettez-vous bien ça en tête, comme ça vous gardez bien cette image de moi. Souk, c'est une clocharde, elle a rien fait, elle a pas de marque, son business il marche pas, elle a même pas de voiture à Dubaï, elle roule comme une clocharde en location. Et aller dans un appartement. Voilà, moi j'aime trop vous penser comme ça. Mouah. Bisous mes chéris. Les filles déjà, j'ai une poignée de grosses jaloux sur mes côtes alors que je leur montre rien. Pour elles, je suis une clocharde qui a rien. Imaginez juste si je montrais un petit peu. Ça y est, là, j'aurais creusé ma tombe. Je serais morte avec leurs yeux laser. Oui, mon cœur.
Ma chérie, en fait, c'est même pas que je peux pas, c'est que je veux pas. En fait, ça m'intéresse pas, tout ça. Ça m'intéresse pas. Alors, de temps en temps, faire un petit kiff d'une semaine, 2 semaines dans une belle voiture et tout, pourquoi pas, pour faire son petit kiff. Mais au quotidien, les belles choses ne m'intéressent pas. Je vous jure que je m'en fiche. En fait, vu mon apparence ou mon physique, vu que je suis quelqu'un qui prend soin de moi et tout, forcément, on peut penser que j'aime les belles choses, que j'aime tout ce qui est luxe, les beaux sacs, les beaux vêtements de marque et tout. Je suis quelqu'un, je m'en fous, les filles. Wallah, je m'en fous. Je préfère m'habiller simplement dans mes petites boutiques, pas chères, abordables. En fait, moi, je sais d'où je viens. Et j'ai toujours gardé les pieds sur terre, vous voyez? Et en fait, vu que j'ai gardé pendant 10 ans le même mode de vie, les gens ont l'impression que je n'avance pas ou que je fais rien. Non, en fait, c'est juste que je suis restée simple et même si, alhamdoulilah, je peux me permettre tout ce que je veux, bah, je ne le fais pas parce que j'ai d'autres projets, enfin, j'ai des projets bien précis. Ça m'intéresse pas, en fait. Chacun est comme il est. Il y a des filles pour qui ça, elles peuvent kiffer, mais chacun est comme il est. Vous ne pouvez pas en vouloir à la personne de pas s'acheter tout le temps des belles choses ou de rouler dans des magnifiques voitures ou d'acheter des belles voitures ou quoi. Si la personne, ça ne l'intéresse pas, tout ça, elle peut se permettre, mais ça ne l'intéresse pas. Ne lui en voulez pas, je comprends pas. Les gens qui se permettent, vous les terminez. Et les gens qui se permettent pas, vous les terminez aussi. Vous voulez quoi en fait? Vous cherchez quoi? Bon bref, les filles, passons à autre chose. T'as encore les travaux en bas. On a fait le ménage tout à l'heure avec les filles et tout. On a changé tous les draps de la maison. Je vais vous dire quoi, les filles, c'est... Mais bon, c'est la vie. Là, je vais... on a mangé, avec maman, on a commandé des petits trucs. Je vais aller l'aider dans le sous-sol. Je vais aussi m'occuper de musique. Les filles, j'ai encore quelques petits retours à traiter. Regarde ce que t'as reçu, mon amour. T'en as reçu des nouveaux là. Les filles, regardez. Islam, il est trop content. Waouh, c'est écrit Islam, regarde. Tu sais, t'as des nouveaux, mon amour. T'en as des nouveaux.
mon livre de graphisme. Waouh ! Regardez les filles, maintenant vous pouvez les personnaliser. C'est les livrets avec lesquels j'ai appris à mon fils à lire, enfin à apprendre à lire l'alphabet, apprendre à compter. Les couleurs, les filles, c'est magnifique. Appétit. Waouh ! Regarde ce que t'as reçu, mon amour. T'en as reçu des nouveaux là. Les filles, regardez. Islam, il est trop content. Waouh, c'est écrit wow. Islam, regarde. Tu sais, t'as des nouveaux, mon amour. T'en as des nouveaux. Mon livre de graphisme. Waouh. Wow. Regardez les filles, maintenant, vous pouvez les personnaliser. C'est les livrets avec lesquels j'ai appris à mon fils à lire, enfin à apprendre à lire l'alphabet, apprendre à compter. Les couleurs, les filles, c'est magnifique. Appétit. C'est quoi ça? Ananas. C'est quoi ça? Ananas. Oui, ça c'est bien, très bien. Et ça c'est quoi? Vite, montre à maman, regarde ça c'est quoi. Et ça, il veut tout découvrir là, les filles, il les aime trop. Allez, regarde. Islam, regarde. Oh, Islam. Regarde pas. Regarde. Waouh. Waouh, c'est quelle couleur ça? C'est quelle couleur? Regarde, il fait la tête, je peux pas vous montrer les filles, il fait la tête du vénère. C'est quelle couleur ça? C'est quoi ça? Ananas. C'est quoi ça? Ananas. Oui, ça c'est bien, très bien. Ça? Momom. Bonbon, pas momom. Et ça c'est quoi? Bleu. Bleu. Et ça c'est quoi? C'est quoi ça? Bleu. Oui, c'est bleu, mais c'est un ballon. Ballon. Ok? Happy. Tesla. Coccinelle. Coccinelle, mon ami. C'est. Bon, les filles, je vous explique. Vous avez aussi des feutres qui vont avec les activités. Regarde, Alice, on fait avec maman écrire les chiffres. Regardez, les filles, en fait, l'enfant, il peut directement. Mais oui, mais fais pas du coloriage, mon amour. Viens, maman, elle t'apprend. Et ça, les filles, c'est les feutres avec lesquels il m'a tué mouse de quoi. Enfin, bref. Bon, là, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas encore l'âge de le faire. Arrête, mon fils. Bon, les filles, je vous explique. Vous avez aussi des feutres qui vont avec les activités. Regarde, Alice, on fait avec maman écrire les chiffres. Regardez, les filles, en fait, l'enfant, il peut directement. Mais oui, mais fais pas du coloriage, mon amour. Viens, maman, elle t'apprend. Et ça, les filles, c'est les feutres avec lesquels il m'a tué mouse de quoi. Enfin, bref. Bon, là, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas encore l'âge de le faire. Arrête, mon fils. Bon, les filles, je vous explique. Vous avez aussi des feutres qui vont avec les activités. Regarde, Alice, on fait avec maman écrire les chiffres. Regardez, les filles, en fait, l'enfant, il peut directement. Mais oui, mais fais pas du coloriage, mon amour. Viens, maman, elle t'apprend. Et ça, les filles, c'est les feutres avec lesquels il m'a tué mouse de quoi. Enfin, bref. Bon, là, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas encore l'âge de le faire. Arrête, mon fils. Bon, les filles, je vous explique. Vous avez aussi des feutres qui vont avec les activités. Regarde, Alice, on fait avec maman écrire les chiffres. Regardez, les filles, en fait, l'enfant, il peut directement. Mais oui, mais fais pas du coloriage, mon amour. Viens, maman, elle t'apprend. Et ça, les filles, c'est les feutres avec lesquels il m'a tué mouse de quoi. Enfin, bref. Bon, là, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas encore l'âge de le faire. Arrête, mon fils. Bon, les filles, je vous explique. Vous avez aussi des feutres qui vont avec les activités. Regarde, Alice, on fait avec maman écrire les chiffres. Regardez, les filles, en fait, l'enfant, il peut directement. Mais oui, mais fais pas du coloriage, mon amour. Viens, maman, elle t'apprend. Et ça, les filles, c'est les feutres avec lesquels il m'a tué mouse de quoi. Enfin, bref. Bon, là, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas encore l'âge de le faire. Arrête, mon fils. Bon, les filles, je vous explique. Vous avez aussi des feutres qui vont avec les activités. Regarde, Alice, on fait avec maman écrire les chiffres. Regardez, les filles, en fait, l'enfant, il peut. Les filles, vous avez la petite gomme où l'enfant, à chaque fois, il peut faire les activités et vous avez juste après, vous, à effacer pour qu'il suive. Bon, ça, c'est plus pour les grands, les filles. Slim, il n'a pas encore l'âge de ça. Mais là, par exemple, c'est sur les humeurs. Donc, vous avez plein d'activités ludiques pour leur apprendre les humeurs. Regardez, les émotions, pardon, pas les humeurs. Voilà, colorier à l'intérieur des cœurs, coller l'émotion correspondante. Les filles, vous avez la petite gomme. Allez, viens, maman, elle t'enlève et tu lui dis c'est quoi. Viens. Les filles, regardez. En fait, vous pouvez même tout enlever. Et l'enfant, il doit. Allez, viens, maman, elle t'enlève et tu lui dis c'est quoi. Regarde, Islam, c'est quoi ça? Ah. Ça, c'est quoi? Non.
2. Ça, c'est quoi? 3. 3. Ça, c'est quoi? 4. Ça, c'est quoi? Je vais enlever ta liste. 5. 5. Allez, maintenant, tu les remets ici. Le 1, il va ici. Allez, à toi. À toi. À toi. 4. Mets le 4 ici. Ici, 4. Bravo, mon amour. Le 5. Tiens, mets le 5. Mets le 5. Il est où, le 5? Bravo. Le 3. Mets le 3. Il est où? Il est où, le 3? Il est là. Il est là. Génial. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Chaussure. Chaussure, regarde. Ça, c'est, mon amour, ça, c'est le livret des vêtements. C'est un nouveau que tu as reçu, t'as vu? Regarde, c'est les vêtements, on va tout apprendre. Et les filles, ce qui est bien, c'est que c'est, vous avez des livrets de tout âge. Vous avez 12 mois, vous avez 3 ans, vous avez aussi 2 ans. Ça, mon fils, on peut le faire, ça, on va le faire. Ça, c'est le thème festif. Donc ça, ça permet aux enfants... Ouais, ouais, c'est la fête. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, Islem? Gâteau. C'est les gâteaux. Et ça, c'est quoi? Maman. Bonbons. C'est bien. Et ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi? Ballon. C'est très bien, mon amour. Tout ça, regardez les filles, pour qu'ils apprennent les couleurs, les cercles. C'est génial. Franchement, je vais vous mettre un code. Vous allez kiffer. Anytime I need you, let me go. Yeah, anytime I feed you, got me, no. Anytime I see you, let me know. But I plant the seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. Lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. And I'm begging you, begging you. And put your loving hand out, baby.